Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors en ce moment je suis à Lanzarote et ceci est un petit vlog où je vais vous parler de mon expérience en monopalme. Je me sentais un petit peu sirène. Ou plutôt triton pour les mecs. Hein. Le triton c'est comme une sirène, sauf que t'as pas les étoiles de mer là. C'est une petite coquine Ariel quand même quand j'y pense. Non, parce que d'accord que c'est la bouche des étoiles de mer au milieu. Et pour faire cette vidéo, justement, j'ai été accompagné d'une sirène. Alors cette sirène, je l'avais rencontrée à Quimper, en Bretagne. Mais c'est finalement à Lanzarote qu'on aura pu finir cette vidéo. Laissez-moi vous présenter Marine. Ah, faut que tu viennes là. Tu fais que notre tari. Mais j'ai pas envie de finir par terre en fait de l'autre côté, tu vois. Ah, c'est vrai que ça fait. Voici Marine, mon instructrice de monopalme. Bah Marine, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? Ouais, bien sûr, bah, je suis bretonne, je suis donc instructrice de monopalme. J'ai été championne du monde en monopalme en 2007, ça fait un petit moment. Et depuis j'en ai fait mon métier puisque je l'enseigne du débutant à l'expert, les personnes qui sont en équipe de France d'apnée par exemple. Et à toi également qui est venue t'initier à la nage sirène. Voilà. C'est un cours très intéressant. On va rigoler. Mais avant de faire ça, il y a quand même une petite étape, hein, parce que Marine, elle me fait passer le test du macho. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème avec ta camionnette? Elle me fait peur. J'ai l'impression qu'elle va s'envoler, mais là, j'ai plutôt l'impression qu'elle va se crasher. Et voilà. Alors aujourd'hui dans Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine, nous allons pouvoir vous parler d'un élément très important du monde de la plongée sous-marine qui s'avère être comment est-ce qu'on raccroche le pot d'échappement avec le cylindre bloc pété sur un van Nissan. Alors pour ça, il faut se munir le Lederman. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai trouvé ce Lederman après un ouragan aux Caraïbes, donc ça c'est précieux. Et au choix, fil de fer. Alors, j'ai fait du classique, hein, là on est sur un fil de fer 1 mm 10 et un fil de fer d'un 1 mm 80. On bat les couilles frère. Donc vous pouvez voir que là bon ça va. Mais alors ça déjà là, ça c'est pas d'usine en fait. Quand elle est sortie elle était pas comme ça. Fais gaffe à tes pieds quand même sur la route. Ouais j'avoue. Ah peut-être que si je prends un puna là, ça va être un peu de la schlagerie là. S'il y a des mécaniciens qui suivent la chaîne, sachez que... voilà, sachez-le. Oh, j'ai honte. Ouais, de le fixer comme ça, là. Non, parce qu'il va forcément aller vers l'avant, il va finir par tomber. Donc après, il faut que j'aille le chercher là-bas, là. Où, là bas. Bon, ça va faire du bruit, mais tu vas pas le perdre. Donc je pronostique ça tient 15 km à peu près. Allons faire la sirène, hein? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va tenir. Oh, la belle station de service là. Je parie que c'est une Repsol, c'est toujours des Repsol. La première étape pour devenir un triton, c'est de passer par la piscine pour pratiquer certains mouvements qui ne sont pas forcément naturels. Voilà, par exemple. L'erreur serait d'essayer de nager uniquement avec son bassin, mais la pratique de la monopalme nécessite l'utilisation de tout le corps, passant des bras au torse, au bassin, aux jambes pour finir au niveau des palmes. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu particulier. Heureusement, Marine est là. Elle est même d'un très grand soutien. Ah mais j'ai envie de vous appeler maîtresse. Oui madame. Comment tu t'étires? Oui, faisons ça. Et je vais sortir les fesses. Et le cours est très bien, vous ne méprenez pas. C'est juste moi qui suis un mauvais élève et qui me déconcentre assez facilement. Bon, je pense que le reste de l'entraînement se passera de commentaires. Hein, donc je vous laisse admirer hein, ma grande souplesse. Voilà. Ça. C'est ce que tu dois
dors ça, tu prends l'eau. Non mais c'est pas belle, mais dis ça avec fesses. Ah, j'ai très clairement senti. Non mais c'est pas mal. Et maintenant tu vas te mettre sur le ventre. Super. Aussi, vous voulez découvrir de nouvelles sensations. C'est Marine qui a choisi la couleur du bonnet. Ok. Alors, je commence tranquillement avec des palmes classiques. L'objectif pour moi à ce moment est de ressentir le bon mouvement sans perdre tous mes repères. Et il y a pas mal de travail. Après quelques longueurs, je peux enfin tester la monopalme, hein, c'est ce gros truc là, et avec une certaine élégance. Hein. Le but du jeu est de réussir à canaliser l'eau pour la faire glisser jusqu'à notre grande palme à l'arrière. C'est tout le corps qui est en mouvement, et ça demande une certaine souplesse, hein, que je n'ai pas vraiment. J'ai adoré la sensation de l'eau sur ma peau, c'est totalement différent de la nage en palme, où on a tendance à vouloir fondre l'eau, ici on veut vraiment être fluide. Hein. Enfin, bon, moi je manque clairement de souplesse. Hein. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est une sirène qui nage. Hein. Alors vu qu'il était trop froid, du coup on s'est réfugié dans le van de Marine parce que pour un débrief, moins de vent, meilleure qualité audio et puis hey, de toute façon c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo dans une voiture. Ça va devenir un classique. Donc c'était ma première expérience en monopalme. Alors là on était en piscine pour que je puisse avoir les premières sensations parce que après on va aller en mer dans l'océan véritable. Salé, ouais. Et là en plus il y aura Fab, donc faut pas que j'ai l'air trop d'un con. Et qu'est-ce que tu as pensé de... C'était très bien, pas mal du tout. Hein. Ouais. Tu t'es bien débrouillé. Ah bon? Ouais. Tu verras sur tes vidéos. Mais... C'est quoi les trucs les plus difficiles généralement en piscine ou les mouvements C'est d'avoir un mouvement harmonieux et pas saccadé. Donc pas ce que je faisais du coup. Oui. Si, franchement, si, c'était très bien. Hein. Mais on n'apprend pas à nager avec une monopalme en un cours. Hein. C'est comme tout. Hein. On n'apprend pas à l'apnée en une journée. Non, il m'en a fallu au moins deux. Ouais, voilà. Power levels 8000 power. Et non, tout s'apprend. Et après, acquérir cette fluidité, justement, c'est ça qui met du temps. Donc c'est normal de ne pas l'avoir à la perfection le premier jour. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très agréable. Hein. Ouais, c'est bien. Du coup, j'ai hâte d'essayer ça. Enfin, très agréable. Bah il faut apprendre. Bah oui madame. Et puis bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner après. En mer. Là-bas là. Cool. Là-bas. On se téléporte. Allez.
Bon, on vient de sortir de l'eau. Alors certaines personnes m'ont fait remarquer que cette conclusion ne devait pas durer une demi-heure. Donc on va être un petit peu rapide, succinct, court. Vous me connaissez, je suis pas du genre à faire traîner mes conclusions, hein. On est d'accord. Ouais. Voilà, donc c'était un vlog sur la monopalme avec Marine. C'était un peu mes débuts de petit triton, hein, zero to hero. Et entre nous, qu'est-ce que tu as pensé de ma performance de... Très très bien. Très bien. Bon, t'es déjà aquatique, tu fais de la plongée. Donc ça t'a beaucoup aidé quand même. Et pour une première, moi j'ai trouvé ça top. On est sur un lamentin sur là. Il va falloir revenir quoi, c'est tout. En parlant de revenir, justement, si je voulais vous présenter Marine, c'est parce que Marine, elle organise des stages de monopalme à Lanzarote. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Je peux. Effectivement, j'organise des stages de monopalme et d'apnée et d'exploration sur Lanzarote. Du débutant à la personne qui est en niveau intermédiaire. Et on est là pour apprendre la monopalme, mais surtout pour vraiment se fondre dans l'océan, donc acquérir beaucoup d'aquacité et de calme dans l'eau. Voilà. On n'est pas sur de la perf, il y aura forcément de la technique avec de la corde et de la technique en piscine, mais le but c'est pas d'aller le plus profond possible ou de tenir le plus longtemps possible dans l'eau. Ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec la monopalme, c'est qu'on est vraiment, à mon humble niveau, à la recherche plus de sensations et de sérénité, en fait, parce que pour faire le bon mouvement, il faut être souple, chose que... C'est un point où je n'excelle pas, la souplesse. Hein, ça prend tout ça. Mais oui, on est vraiment sur un rapport au corps et à l'eau qui est différent de la pratique de l'apnée que je suis en train de découvrir et puis qui est très différent de la plongée. Pour retrouver Marine, ça va être sur Instagram principalement? Ouais, principalement, et Facebook aussi. C'est quoi ton Instagram? Instagram, c'est marine.grosjean. Marine.grosjean. Voilà. Donc il va s'afficher à l'écran quelque part. Hein, mettons-toi quelque part. Bon. Et là? Très bien, il sera là. Il sera par là, je vais faire un truc, il va s'afficher, vous le retrouvez en description. Si vous voulez essayer la monopale, vous faire un stage, allez rejoindre Marine, ça me fera plaisir. Est-ce que tu as kiffé? Eh ben, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. La monopale, il y a quelque chose qui est un peu magique quand même. Parce que le mouvement, ça ressemble quand même vachement à un poisson. C'est clair, c'est hyper harmonieux en fait. Tu vas chercher vraiment une harmonie avec l'eau, que ce soit même en mer ou en piscine, hein, dans les deux cas. C'est top, ouais. Moi je suis convaincue, donc je peux que te dire que c'est bien. Et vous savez quoi, on va finir cette vidéo non pas avec les images que j'ai tournées aujourd'hui, mais avec les plans au drone que j'ai fait de Marine la première fois qu'on s'est rencontrés dans notre belle Bretagne armoricaine. Oui. Salut. Et puis bon, on se retrouve à Lanzarote. Faut dire à bientôt. Salut. À bientôt dans le salut. Merci beaucoup. Ça, c'est une belle conclusion. Oh, et si, un dernier truc. Non, parce que je vous vois venir. Le dernier vlog que j'ai fait, j'ai pas dit abonnez-vous, mettez la cloche, faites des commentaires et likez. Les gars, c'est une des vidéos qui a eu le plus de bons retours au niveau de la sortie. Quasiment aucun commentaire, pas d'abonnement. C'est scandaleux. C'est un scandale.